Doran ont l'air d'aller très bien. Ils ont l'air doux et très sociables. Je vais faire leur portrait à tous les deux. Ce qui se passe ici est clair comme de l'eau de roche. Ah bon? Ça ne te saute pas aux yeux, Sacha. Ils sont amoureux. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Qu'est-ce que tu trouves à ce nid d'oran de troisième catégorie? Je suis contente d'avoir sauvé à temps des griffes de cette femelle. Tu es beaucoup trop bien pour lui. Je ne veux plus que tu la revoies, tu entends? Les dresseurs, eux, ne s'aiment pas. Oh oui, les dresseurs Pokémon sont nombreux ici et ils s'entendent bien. Nous en avons rencontré deux tout à l'heure qui ne se vouaient pas à une grande amitié. Vous parlez de Ralph et d'Emily. Vous les connaissez? Tous les habitants de cette ville les connaissent. Expliquez-nous. Ralph et Emily se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Gentils enfants. Ils avaient à peine appris à marcher qu'ils étaient déjà adversaires et qu'ils capturaient des Pokémon. Et par un étrange hasard, ils capturaient toujours les mêmes Pokémon. Nous organisons de nombreux concours Pokémon et Ralph et Emily arrivent toujours ex aequo. Cette année, ils se sont partagés la première marche du podium. Ralph et Emily n'étaient pas très contents, mais leur Nidoran était aux anges. Ce fut le coup de foudre. Ah, ça c'est sûr, ces deux Nidoran sont faits l'un pour l'autre. Mais à cause de l'entêtement de Ralph et d'Emily, nos deux amoureux ne seront jamais réunis. Moi, je dis que c'est une honte. Wow! C'est vrai que c'est dommage de les séparer. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour ces pauvres Nidoran. Oui, mais que peut-on faire? Vous avez vu ce Nidoran? Oui, et il ressemblait à Tony. Qu'est-ce qu'ils font? Si tu écoutais attentivement, tu entendrais qu'ils parlent d'amour. Mais comment tu sais ça? Je peux le deviner, parce que... je suis romantique. J'ai un don naturel pour comprendre les histoires de cœur. Ah oui? Comment ça se fait? Tu n'es pas assez mûr pour comprendre. Si, je le suis. Quand tu seras grand, peut-être. Je suis déjà un grand garçon.